Et chez les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto arbre cette fois-ci, où aujourd'hui je vais vous présenter comment on fait un sapin. Allez, place à l'intro. Alors aujourd'hui, chers amis, je vais vous présenter comment on fait un sapin. Je sais pas quelle date sort cette vidéo. Oh. Bah, je crois que ça va être Noël, hein. Bon, bah on va faire un sapin de Noël, du coup. D'accord. Bon, alors, j'avais mis ces petits cubes-là pour vous montrer comment on réalise un sapin. Alors, il faut savoir directement, je ne suis pas du tout doué pour faire des sapins de Noël. Alors, je vais vous donner une technique, je ne l'ai pas encore réellement essayée, mais je pense qu'elle peut fonctionner. Donc, on va voir ça tout de suite. Oh, regardez, j'ai un cadeau. Alors, un cadeau de votre part, de mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà. Vous abonner, hein, c'est écrit juste au-dessus. Hein. Alors, du coup, on va prendre... Putain, j'avais même pas vu les idées. Alors, ça, c'est Minecraft qui le fait automatiquement. Hein. Si j'ai pas rajouté un texture pack, hein, si vous regardez bien, au sens pack, voilà, je n'ai que celui d'Aurélien Sama avec les textures, quelques textures modifiées. Vraiment, du coup, il y a un peu de neige sur le terrain. Il y a des habits bonhommes de neige qui s'amusent à mettre de la neige partout. D'accord, bon. Bah, c'est pas très grave, hein. Du coup, je sais pas comment... Alors... Je vais déjà commencer à vous dire comment je vais faire. Cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, sûrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais procéder par étapes, où je vais faire des sortes de petits timelapse. Voilà. Donc, là, je vais commencer par faire des cercles. Je sais pas comment ça va rendre, mais je vais d'abord faire des cercles, et après, je vous expliquerai ce qu'on fera. Donc, go au timelapse. Alors, du coup, voilà, j'ai réussi finalement à le faire, ces cercles. Alors, comme vous pouvez voir, déjà, ça forme un cône. Alors, j'ai fait un cône exprès. Hein. Mais là, pour le moment, voilà. Donc là, j'ai fait des cercles. Déjà, c'est... Alors, je vais pas appeler ça des cercles, je vais appeler ça plutôt des marqueurs pour savoir positionner les blocs. Voilà. Bon, on va imaginer ça, c'est votre sol. Hein, vous l'adaptez comme vous voulez. Tout ce qu'on va faire, nous, c'est ça. Et on va monter. Donc du coup, je vais casser tout ça, sauf celui-là. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, déjà, on est bloqué par là. Du coup, je vais mettre un bloc comme ça. Et tout de suite, on va mettre la petite étoile. Hop là, voilà, la petite étoile. Tac. Et on va s'orienter pour que ça fasse exactement ça. Ok. Alors, déjà, on va commencer... Alors. Un sapin, le tronc, si l'arbre est aussi gros, hein, il est rarement aussi fin. Donc déjà, on va commencer, on va faire ça directement. Donc petit timelapse, je vais agrossir le tronc. Donc voilà, j'ai fini de agrossir le tronc, comme vous pouvez voir déjà, j'ai du coup agrandi, j'ai fait d'abord une croix, puis après j'ai fait les coins, et après du coup j'ai essayé de faire des racines. Alors, une petite racine, vite fait, essayez que ça rentre aussi dans le sol, comme j'ai fait là. Là je vais pas le faire parce que sinon je vais casser complètement ma route, du coup je l'ai fait au moins une fois. Je sais que c'est un bloc dans des îles qui doit être là, mais je pourrais le remplacer par n'importe quel bloc. Comme vous avez sûrement déjà vu dans certaines vidéos, par exemple, de temps en temps ça m'arrive, je casse la route et du coup je le remets avec un autre bloc. Ça, c'est vraiment pour les personnes les plus attentives. Donc, maintenant, on a fait cette étape-là qui était vraiment assez complexe. Il faut savoir que ce tuto s'adresse à ceux qui veulent faire un énorme sapin de Noël. Et là, du coup, on a fait déjà le tronc, les marqueurs pour nos feuilles. Mais on va modifier un peu ce marqueur. Alors, je m'explique. En gros, ce qu'on va faire, c'est à certains endroits. Voilà, on va faire ça. Hop. Donc c'est pas très compliqué. Comme je vous ai dit, je vais le faire en timelapse. Et on se retrouve une fois que j'ai fait tous les anneaux. Voilà.
Donc voilà, donc je vais pas faire le dernier anneau pour une simple et bonne raison, c'est que ça fera déjà assez joli comme ça. Du coup, j'ai pas regardé ce que ça donnait comme ça, mais ça a l'air de rendre assez bien. Déjà pour commencer. Du coup, ce que je vais faire, ça va être assez simple maintenant. Je vais vous montrer pour le premier anneau. Voilà. On va faire ça. Voilà. Puis je vais remplacer tout à la fin. Hein, vraiment tout à la fin. Je sais pas si je vais prendre ces coins. Voilà, comme ça. Donc je vais remplacer à la fin du tuto les blocs blancs par des feuilles. Du coup, ça devrait rendre assez bien. Je suppose. Hein. Comme je vous ai dit, je ne sais pas faire. J'expérimente une technique. Voilà. Du coup, voilà ce que ça va donner. Une fois que les feuilles seront mises. 2, 3, 1, 1, 2 et 3. Voilà pour ce sapin assez simple. Du coup, ce que je vais faire, c'est que effectivement, je vais quand même hop, faire un truc comme ça. Voilà. Et déjà, on peut voir que déjà, ça rend déjà comme un sapin. C'est juste que voilà. Déjà, on a fait cette étape-là. En fait, je vous explique comment j'ai procédé pour faire déjà ça. Bon, c'est assez simple. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre limite de bloc et tac. Vous allez monter en diagonale. Voilà, vous allez essayer. Hop. Voilà. Vous allez casser les blocs que vous voulez pas. Sûr, on va le garder. Et vous allez, du coup, en fait, relier ça au bloc qui est à peu près à ce niveau-là. Un peu plus bas. Du coup, ça va faire comme un sapin classique quand vous voulez dessiner. Voilà. Donc, moi, je vais faire ça. Vous allez faire ça aussi de votre côté si vous voulez le faire. Hein. Que ceux qui regardent le tuto, à mon avis, c'est ceux qui veulent refaire un sapin. Je suppose. Chers amis, hein. On sait jamais, ça peut arriver. Il y en a sûrement d'entre vous qui veulent réaliser un sapin. Et du coup, bah, on se retrouve une fois que j'ai fait tout ça. Du coup, je reprends là. C'est juste, voilà. Donc, j'ai vu 2-3 problèmes avec mon design. Donc, essayez de, voilà, de refermer comme ça, pour essayer au moins de rafraîchir l'arbre. Donc, déjà, on peut voir que déjà, ça rend vraiment comme si c'était un vrai arbre de Noël. Du coup, vous pouvez toujours repasser pour rectifier. Hein. N'oubliez pas, par contre, que vous, du coup, vous allez mettre quand même des boules de Noël. Hein. Sinon, ça va faire un peu bizarre. Hein, mais voilà. Donc déjà ça rend assez bien. Je suis content de moi. Hop, voilà. Donc chers amis, au lieu de continuer en timelapse, je vais faire une légère coupure. Parce qu'en vrai, ça prend énormément de temps. Dites-vous que ça fait déjà 15 minutes que j'ai commencé la vidéo. Voilà, donc vous avez pas 15 minutes sur le timer, mais moi j'ai 16 minutes pardon maintenant sur le mien. Donc petite coupure et place. Du coup à la suite dans 2 secondes. Donc chers amis, du coup j'ai repris, du coup j'ai fini de faire les 2 anneaux. Je suis en train de faire un truc que je vous ai pas dit de faire au tout début. En fait, je suis en train de reboucher un petit peu, parce que au bout d'un moment ça fait vraiment bizarre. Bon, du coup je suis obligé de le faire, mais donc voilà. J'ai fait ça avec un peu de musique, franchement ça allait assez vite. Je pensais pas que ça arrive aussi vite. Je vais juste faire prof. Donc aussi j'ai placé 2-3 glowstone aussi dans l'arbre.
Donc à ce niveau-là, j'ai mis des petites glowstones. Hop, voilà. Tac, c'est un peu compliqué de construire en même temps de parler, mais bon. Faut que je m'y remette, hein, parce qu'avant j'y arrivais, maintenant j'ai un peu plus du mal. Donc, bah, je crois que c'est à peu près tout. Du coup, j'ai aussi refait... Ah, excusez-moi, j'ai reçu une notif sur mon PC. Je sais pas si vous l'avez entendu. Peut-être pas. Donc, je crois que c'est à peu près bon. Hop, voilà, on va faire ça vite fait. Donc voilà, voilà pour ce petit sapin. Alors, je ne pensais pas que ça allait rendre comme ça, mais ça rend extrêmement bien. J'ai retaillé un peu celui-là parce que vraiment ce vidéo était un peu trop. Mais je m'en suis bien sorti. Et du coup, voilà à quoi ça donne. Et franchement, ça m'étonne, ça ressemble vraiment à un sapin de Noël. Bon, un sapin de Noël qui était là, qui n'a pas été coupé, mais un sapin de Noël. Il manque juste... Bon là, c'est juste un sapin. Il manque juste les petites décorations de Noël. Donc les petites décorations de Noël, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Déjà, on va prendre de la glowstone. Oh, on va prendre des blocs d'émeraude, ça peut être super joli. Bref, en fait, vous prenez les couleurs que vous voulez. Peut-être pas. Allez, un orange, un rouge peut-être. Non, pas un rouge comme ça, un peu, rouge un peu plus détaillé. Moi, je voulais prendre un autre bloc. Merde, c'est... six lanternes. Voilà, six lanternes, ça peut être super joli. Peut-être une teinte de bleu un peu plus... Voilà. Et on va essayer de mettre ça, donc... Gotham Labs. Et re les amis, du coup, fin du timelapse, voilà ce que j'ai réussi à faire. Alors, j'ai, oui, effectivement, j'aurais pas dû prendre autant de blocs, j'ai oublié de préciser aussi tout, il y a quelques secondes, hein, prenez les blocs que vous voulez, hein. Si vous voulez faire un sapin blanc, mettez du blanc, mais si vous voulez faire un sapin bleu, mettez du bleu, si vous, voilà, vous mettez les couleurs que vous voulez. Bien évidemment, le sapin est fini, hein, très clairement. Il ressemble à un sapin, il est peut-être un peu trop chargé, effectivement. En même temps, j'avais un peu beaucoup trop de blocs. Mais il ressemble à un sapin. Excusez-moi, mais il ressemble à un sapin. J'avais oublié de détailler aussi tout à l'heure. La distance des blocs, c'est fait. Donc, un anneau. 1, 2, 3 et 4. Et un autre. Donc, en gros, c'est distance de 5 hein, entre chaque. Voilà. Voilà, j'ai juste oublié de vous dire ça au tout début de la vidéo. Donc voilà, chers amis, pour ce tuto. Donc comme vous avez vu, peut-être j'ai fait, je suis rentré dans le sapin, j'ai fait des cercles pour mettre les boules lumineuses, enfin les glowstones, non, les six lanternes.
Donc voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Au final, oui, je viens de finir la vidéo, en fait, je me suis pas rendu compte, hein. Donc, chers amis, j'espère que cette... attendez, voilà. Et merci, les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de partager et de commenter si vous avez d'autres idées de vidéos, peut-être pour la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez connaître d'autres choses sur Minecraft. Et j'ai juste une toute dernière chose à vous dire. Joyeux Noël à vous. N'oubliez pas, le build, c'est bien. Et à la prochaine. Allez, à plus tout le monde.